Bonjour. Au XIIIe siècle, le monachisme dans les Hautes-Alpes connaît sa dernière embellie, avant un déclin frappant au XIVe et XVe siècle, dû notamment au contexte économique et politique extrêmement troublé de la fin du Moyen Âge. De nombreuses maisons monastiques vont avoir à souffrir de la guerre, notamment entre les Provençaux et les Dauphinois. À partir du XIVe siècle, c'est la fin des fondations. Les franciscains et les dominicains commencent à concurrencer les moines. Les patrimoines monastiques stagnent et tous connaissent des difficultés économiques. La plupart des seigneurs qui faisaient des legs se méfient désormais de ces couvents aux vastes domaines ruraux et eux-mêmes sont en difficulté financière, ne peuvent plus faire de legs. En revanche, la petite bourgeoisie et les paysans libres prennent le relais et continuent à faire de modestes donations. Voyons autour de Gap et à Gap ce qu'il en était de la vie monastique. Dans la ville, on trouvait des Antonins, des Templiers et des Hospitaliers. Dans les faubourgs, on trouvait un petit prieuré victorin à Saint-Mins. À Romette, il y avait le prieuré victorin. Et à Saint-André-de-Gap, près de l'actuel collège Mauzan, se trouvait un prieuré clunisien de 3 moines plus un prieur. Ce prieuré était soutenu par l'évêque de Gap et permettait d'intégrer les vocations religieuses de la cité, d'accueillir des oblats, ces jeunes garçons donnés au monastère par leurs parents. La situation des prieurés clunisiens montre d'évidentes difficultés. Les visites des inspecteurs de Cluny pour vérifier la situation matérielle et morale de chaque prieuré montrent qu'au XIIIe siècle, la situation était mauvaise. Beaucoup de moines étaient indignes, de prieurés endettés. On trouve de nombreux conflits avec le clergé séculier, parfois même avec l'évêque. Le prieuré de Gap reçoit visite d'inspecteurs en 1259 et montre que le prieur dilapidait les biens du site. On a des moines ivrognes, les maisons sont mal couvertes, l'eau pénètre. La situation s'améliore un peu par la suite. À Rosan, au XIIIe siècle, les moines font encore construire un ensemble de bâtiments autour d'un cloître. Mais la période faste est passée. À la fin du siècle, on ne compte plus que 6 moines, puis progressivement plus que 3. La maison a des dettes et subit l'hostilité des chanoines de Gap. En 1368, le prieuré est pillé par des troupes. Dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, la chartreuse de Berthault connaît elle aussi des difficultés économiques. Les moniales cherchent à rendre leur domaine plus cohérent en vendant les terres les plus éloignées et en récupérant des terres plus proches. À la fin du XIIIe siècle, les conflits judiciaires se multiplient avec la chartreuse du Durblon et les seigneurs de Flotte pour les pacages, pour la coupe des bois. Au début du siècle suivant, l'autarcie économique du monastère n'est plus possible. La communauté est endettée, elle ne subvient plus à ses besoins et les religieuses doivent céder en bail emphytéotique leur domaine de Ventavon. Le monastère, la chartreuse de Durbon, connaît à peu près le même sort. Concernant les Chalaisiens de Boscodon, l'abbaye mère de Chalais, déjà pauvre, décline au XIIIe siècle. Et Boscodon connut elle aussi un déclin, un endettement, et en 1287, le monastère doit se placer sous protection de l'archevêque d'Embrun. L'ordre de Chalais est disloqué peu à peu au XIVe siècle. Boscodon conserve son indépendance et maintient ses petits prieurés jusqu'à son déclin définitif au XVIIIe siècle. Mais la puissance rurale de Boscodon suscite des procès avec les paysans des alentours et les embrunés. Les vols de bétail contre les moines se multiplient. Les coupes sauvages de bois. En 1275, les paysans des Crocs montent en armes au monastère, tuent des vaches, volent 160 bêtes des moines, mais le dauphin soutient la population contre le monastère. À Chavardon, dès la fin du XIIIe siècle, l'autonomie des chanoines est contestée. Le réseau monastique est trop petit, il est concurrencé par d'autres ordres monastiques qui, eux, sont protégés, pourvus en privilèges. Les conflits avec l'évêque se multiplient, ainsi que les difficultés économiques. À la fin du XIVe siècle, Chavardon perd ses prieurés et doit déménager à Saint-Marcel-de-la-Baume, près de Sisteron, signe de son déclin. À Oulx, le patronage des églises, assuré par les moines d'Oulx, prive de dîmes les curés desservants, ce qui explique une misère rurale chez les petits prêtres dénoncée par l'archevêque d'Embrun en 1366. Les dîmes des églises paroissiales ne sont pas perçues par leur recteur, mais par leurs divers patrons, surtout par le prévôt d'Oulx, du diocèse de Turin. Les pauvres curés des églises paroissiales, du fait de leur dénuement, sont forcés de travailler de leurs mains plutôt que de s'occuper à apprendre et à enseigner les Écritures. Voici ce que dit cette lettre au pape. Tout ce parcours nous montre l'incroyable diversité du monde monastique des Hautes-Alpes. Nous montre aussi l'imprégnation des moines dans la société, leur omniprésence dans les villages et les difficultés rencontrées après le XIIIe siècle, notamment avec l'arrivée des ordres mendiants franciscains et dominicains. La fresque du calvaire de la chapelle des Corps Delier d'Embrun, daté du XVe siècle, illustre ce passage du monachisme traditionnel aux nouvelles formes religieuses. De Saint-Antoine
à gauche, père des moines, à saint François d'Assise, à droite, à côté du Christ, fondateur des franciscains, et dont le succès marquera la fin du Moyen-Âge dans le Haut-Dauphiné. À très bientôt dans les médiévales.